Parler à Scott Michel. Voilà Michel. Mais parle, on est là. Ça faisait un bail. J'espère que tu te plais en Bolivie. Ça va, je sais si je fais arrêter, ça passe ou ça juste arrête. Je sais pas. J'ai un problème sur les bras. Ouais, je compte un peu sur ton aide. J'écoute. Apparemment, il y a beaucoup plus que de la cocaïne en Bolivie. Ah ouais, plus que de la cocaïne. Ils ont carrément découvert des gisements d'uranium et ils ont déjà commencé à l'exploiter. Merde. Attends, c'est pas fini. D'après nos rapports, des ultranationalistes russes s'y sont mis aussi. Ah, les Russes. Un coup de main en échange d'une part du gâteau. C'est confirmé? On a déjà un ghost sur place. Un petit futé qui a infiltré les rangs de l'UNEDA en se faisant passer pour un agent russe. Son nom de code, c'est Little Brother. Charmant. L'UNEDA s'apprête à expédier des échantillons en Russie. Le but du jeu, c'est de les intercepter. Établissez le contact avec Little Brother. C'est lui qui pilotera l'opération. Bien. Bien. Tu l'as coupé. Je crois qu'il y a un 4x4 là. C'est un peu plus... Bordel. Mitchell en personne qui rappelait qu'en Bolivie. J'espère qu'il a pas perdu la main depuis le temps. Tu lui parles toujours? Eh, de toute façon, ouais, ouais. Dès que ça commencera à canarder, oh. Ça lui reviendra. C'est un peu plus vénère ça. Des grandes retrouvailles. Je vais prendre une pote. Wow. Ça c'est du 4x4 mais... Avec ça mec, on peut aller partout. Oh, regarde. C'est ce gros rocher là. C'était pas un cactus? Ah il faut redescendre. Bon attends, on va aller sur la route principale. C'est la priorité à droite. Bon. Ah. J'ai une idée. On peut pas la retourner? On va la retourner? Si, regarde. Ah, il y a un mec qui se tire là-bas, à buter. Ah bah c'est bon, il est mort. Oups. C'est pas moi. J'avais comme si de rien n'était. Lance-patate dedans. Ah oui, il faut aller au rocher. C'est quoi, c'est le Mont Rochefort ou... Par contre, mec, la bagnole ne tourne pas. Je me demande si on a pas pété un peu les roues là. Et je pourrais que la roue droite soit crevée. On y voit que dalle en même temps. Oui, attends. J'ai repéré une radio rebelle. On va l'allumer. Ça va ramener pas mal d'ennemis. Ça, c'est un sifflet à connard du cartel. Ouais, je crois que la roue droite, elle a pris ça. Elle est bizarre. Soit on reste derrière, soit tu te prépares à l'enculer. Pardon. Little Brother, ici Nomade. Tu t'es demandé, je veux dire... Menace, direct. J'avais juste pas vu. Genre quoi? Est-ce que tu m'as vu tirer une balle au début? Parce que j'étais pas en bon mode... Je peux ouais. Remettre l'intégrité opérationnelle de la mission parce que ton nom de code te défrise. Si ça te fait chier, vois ça avec Griffin. Pas la peine de s'énerver. Je disais ça comme ça. Bon, on a pas que ça à foutre. C'est quoi le topo? Comment il lui parle? Putain, comment il va que dalle. Ah ouais, faut sauter. Ça peut être chaud. Le comité d'accueil. Je vais vous dégager une zone d'atterrissage. Faudra pas être trop regardant non plus. Une fois sur place... Ah la hackball. Non, attends. Ça y est. Parachutage. Oui bon c'est bon on connaît. T'es avec moi? On se tient la main? Non. Je suis mort. C'est mort? Oui. Le mec il y avait un rocher juste en dessous. Il avait même pas le temps de déployer le parachute. Le mec ils avancent tout tout tout. Je repère un petit groupe d'ennemis. Voilà, eux on est juste devant eux, ils nous regardent. Je suis en train de charger. En fait, ouais. Genre toi quand c'était moi l'autre, je chargeais vachement vite. Mais j'arrive pas. Un petit groupe d'ennemis. Mec, on court tellement mec. Merde. On est des ghosts quoi. Pas les couilles. Ouais. Pas le temps de niaiser. Bon pour rien. Pas le temps de niaiser. Nique à droite là. Un petit groupe de cibles. Ils sont deux quand même. Ouais.
Peut-être attendre un peu là. Je repère un petit groupe d'ennemis. Hop. Ils sont nombreux sur la route, sur la gauche. L'unidad. Il y a lui là. Il y en a encore un autre à gauche. Ouais, il y en a encore un autre en plus qu'il n'y avait pas avant. Dans le sorcier de jumelles. Il y en a deux. Ah, il a dit le mec, 9 et 1 qui font 10. Nickel. J'ai tiré sur les 4 mec, je m'en battais les couilles. Derrière moi ça me spot, nice. N'importe quoi mec, bon mais vas-y on avance. Il est passé 3 ans. En fait faut y aller en mode balle des couilles mais faut mettre les têtes rapides quoi, c'est tout. Ouais. Même les gros mecs renfo, une tête. Ouais. Je sais pas les tuer, mais en fait dès que tu leur mets une tête. Là il y en a dans le bâtiment, vas-y je vais choper, chope le mec dans le couloir. Mort. Dans le couloir. Là où t'es, y'a pas un mec. Ah ici il doit être à ma gauche là. Hop. Ça me repère, mort. Cible éliminée. J'aperçois un petit groupe de cibles. On va choper les mecs aux tentes et. Je repère un petit camion après. Lui dans l'allée là au milieu normalement. Yeah. J'aperçois un petit groupe de cibles. Nice. Le deuxième, ah c'est le mec en haut. Cible abattue. Balle. Mec, j'ai regardé mec, il y a deux balles qui sont dirigées dans sa tête. Là, j'ai attendu un peu, je dis il va le tuer. Puis au moment où je tire, tu lui avais mis une tête. On se fait les mecs du camion là. Ouais. Attends, il y a un mec en haut déjà. Mort. Il nous reste plus que le camion, j'ai un visu. Pas du tout. Je suppose que t'as le mec à gauche. Nice. Ah mais t'avais le mec à droite aussi. Ok, okay on avance, non. J'étais en train d'essayer de prendre un petit visu ouais, ouais, à droite ouais. Et tout. Ouais, ensemble, 1, 2, 3. Je sais niquer. J'entends tout tout. Ah bon mais très bien. Hein. Il y a lui là-bas, on sait pas s'il est tout seul. Seul. Parce que tout à l'heure on l'a buté, ça a pas posé de soucis. Ouais, il y en avait un juste à droite. Le mec à droite, fais gaffe, qui t'avait. En vrai, peut-être pas en fait, parce qu'il marchait. C'était le timing. Je suis en train de le pique là, en mode R6. Il est au top là. Une petite école, nickel. En fait, c'est pas mal le coup de la molette, je m'en sers pas mal. Hein. Pour me regarder, c'est en troisième personne, tu vois bien les mecs. Nickel. Il aurait laissé passer quand même, je pense. Ouais, il y a l'hélico pas loin. Après, il y a les mecs de l'hélico là. Je vais jumeler tout ça. Je repère une batterie fixe. Une batterie fixe. Est-ce qu'il y a un snipe ou pas? Ils sont 3 à l'hélico au moins. 4. Là, ils sont tous potes. Ouais, ils sont beaucoup, quand même. Avec l'uranium à bord, ça m'étonnerait qu'ils prennent le risque. Pas vrai? Tu veux prendre le pari? Je me disais bien. Ça serait complètement débile. Le plus débile, ça serait de nous laisser filer. Ils auraient plutôt intérêt à se débarrasser des preuves au final. Je suis avec toi. Je pense lui, ils nous capteront pas. Ouais, nickel. Hop. Bon, bon, on se les fait comme ça. Hein. Nice. Je sais pas où le dernier est caché par le putain d'hélico là. J'ai loupé. Putain, j'ai loupé deux fois. Oh. C'est rien, c'est rien. Ça clignote là-bas. C'est très bien si ça clignote, ça va les séparer un peu, ils vont venir vers nous. C'est qu'ils nous ont capté, mais... Là, c'est clair, ouais. J'ai peur de mettre une tête, parce que j'ai l'impression qu'il est trop près des autres. On attend un peu. Je contourne par la gauche, là. Non, ça va, ils sont loin. Non, non, ils sont loin, ils sont loin. Tu peux les buter les deux premiers. T'es pas deux là ici, non tu l'as vu, parfait.
Ok, là, ce mec, il est en haut. Je crois qu'il y en a un au top, ouais. Cible numéro 5. GG. Je me dis, ouais, sniper, il est au top, est-ce que je sors le snipe? En fait, pas du tout, on fait tout une petite arme de merde. Une petite balle dans la tête. Ouh, ils sont nombreux là par contre. Ils sont 5. Les deux à droite, je peux les avoir rapide. On va poser une grenade vers moi et comme ça va les attirer vers nous. Attends, on se montre pas. Juste les séparer. En vrai, je peux avoir les deux de droite facile. Ouais. Et après switcher sur celui de ta droite à toi, de milieu là. Moi, je vois les trois premiers là. Deux renforts et un par renfort. Je vois pas les autres. Enfin, je me décale. D'ici, je peux... Ouais, vas-y, on les nique et puis nique sa mère. Cible éliminée. Ok. Je me suis raté genre 3 ou 4 fois. Hein. Ah, moi aussi. J'ai raté. Après, moi, l'autre, genre, j'ai fait pouf. Tu sais, là, je suis juste décalé, genre, de manière random. Bah, du coup, on va niquer... ça, là. Alors pas ça mais ça du coup, c'est à côté. Truc anti-hélico. Je vois un système anti-aérien. Alors, on va désactiver celui-là. Désactive le DCA. J'ai... Dites-moi ça. Mais t'as dit il y en avait un autre. Ouais, alors attends. Je sais pas si on le voit sur la minimap. Imaginons qu'on regarde la minimap. Peut-être que c'est juste la direction dans laquelle t'es parti. Ouais. Ouvre la minimap. Ouais. Tu vas au sud de notre position, il y a une caisse d'accessoires. Ouais. Ben là, il y a un truc de... Il y a la même chose qu'on vient de niquer. Bah, on y va. On va à la caisse d'accessoires, de toute façon. Mais là, si on y va, on va se faire shooter. Ah, c'est en dehors. Avec l'hélico. Par contre, l'hélico, il tire des roquettes. Du coup, si tu... celui qui pilote, il peut le niquer. Et même, il a des mitrailleuses. Fais gaffe, il y a un hélico. Oh putain. Je suis totalement découvert. Je me suis juste ouais, moi aussi on est soupçonné. Mais... Ouais, il y a des cadavres partout, soupçonnés. Vas-y, pilote, moi je vais mettre une artillerie. Et je vais mettre à l'artillerie de droite, comme ça s'il y a un truc qui nous tire dessus. Attends, okay. Attends, s'il tourne encore ce fils de pute. On attend qu'ils partent quand même. Prends l'hélico et décale. Bon, t'inquiète, tu as l'artillerie de droite, je les encule. Du coup, je suis sur ta droite, donc si t'as un hélico ou autre... C'est moi qui pilote. Et toi, tu tires des grosses roquettes. Hein. Allez, go. Il y a des batteries femmes partout dans le secteur. Le seul moyen de leur échapper, c'est de voler à basse altitude et de passer par ce canyon. Ah, basse altitude, il a dit basse altitude. On va attendre à le savoir. Et faut... Ah, c'est pour ça en fait que j'ai pas du tout... je suis mort. Je suis pas du tout passé dans le canyon. J'ai décollé. Oh là là. Oh là là, quel potage. Oh, je suis en galère totale là mec par contre. À la basse altitude. Faut que t'ailles sur la gauche. Ouais. Je te rappelle que je suis à haute altitude, ça va, ouais, mais... Ah, tiens, juste au-dessus de nous, sur la droite. Il y avait un truc anti... Vous n'avez pas d'autorisation de vol. Identifiez-vous immédiatement. Mais merde, ils mettent la pression. Nous faire chier. Je dirais bien que je vous avais prévenu, mais... Faut qu'on leur dise quelque chose. Genre quoi? Qu'on a une pizza à livrer. C'est pas le moment de déconner, trop de malin. Appareil non identifié, répondez. On a une pizza à livrer. Ah. Bah les couilles, on répond pas. C'est ça? Bah oui, ils ont pas répondu. Ça tangle. Ouais, désolé mais la vue non mais la vue d'artilleur en fait. Mais pas d'hélico. Ça change moi de la merde. Ah mais je suis en PLS aussi mec là. Sur la vue d'artilleur, je suis zoomé. Sur mon clavier, je suis pas bien là parce qu'à tout moment le rocher à droite, on le bouffe. Mais non. Appareil non identifié, répondez ou nous ouvrirons le feu. Mais tu ne vois pas. Tu sais pas où je suis. Je suis caché frère. J'avoue mais... Genre parce qu'il y a du calme, tu sais, personne répond, le mec c'est tellement une victime. De ouf.
Ils sont durs à noter la moitié de l'unidad pour nous arrêter. T'énerve pas, on a vu pire. Accroche-toi, ça risque de se faire. Ça va arriver. On a besoin de cet hélico pour incriminer les Russes. Saute à droite, là ils sont derrière toi. On va limiter. Je saute à droite. Ouais, mais faudrait que je fasse demi-tour là pour les niquer. Ouais, bah on va faire demi-tour. Hein. Oh fuck. Fuck, fuck, missile, missile, missile. Fuck, 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 fuck. Vas-y, ils sont à droite maintenant. Ouais, ils sont devant. Je peux pas les niquer là. J'ai pas du tout les niquer. Tourne légèrement sur la droite. Ah attends. Pas du tout les niquer. Ça, ça va le faire, ça va le faire. J'ai confiance en nous. Je passais quand même du Razmot à environ 8 km du. Bon, c'est bon, en fait ils ont décroché je crois. Hein. Simplement. Allô. Ouais ouais. Wow, j'ai eu un freeze. Ah, j'en ai eu quelques-uns en pilotant, je voulais pas te le dire pour fait. J'ai cru que ça avait planté, mais j'ai eu un gros freeze. Bon voilà, on arrive à destination. Par contre l'avion, je te dis tout de suite, c'est pas moi qui le pilote. Si tu veux pas crever, il veut qu'on se gare où? Au milieu. Oh, non, au milieu, je me gare ici. Devant l'avion. Et après on sort comment avec la vie? Bon Dieu, j'ai bien cru qu'on allait y passer. Ouais, pour moi. Bon boulot, c'est allez, on remballe. Parti. Tant qu'à faire, je voudrais me débarrasser de cet uranium au plus vite. Il est stylé, l'hélico, quand même. Ouais, ça va. Allez, Scott. Non, ouais, au moins, on t'aura sorti de ton bureau. Avec tous ces moustiques, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Perso, je préfère les moustiques aux intrigues de bureau. Tu crois pas si bien dire. Je contacte l'équipe de décontamination pour qu'elle inspecte la cargaison. On regarde ma lunette. Attendez-moi à l'intérieur, ok. Hein? On met en animation là. Ouais, c'est bon. On regarde ma lunette de snipe. Stylée, elle est au taquet grande. Viens, on va choper la machin et... Il y avait un point de compétence, je sais pas quoi. Ouais. Il y avait même un point d'arme là où on est passé pas loin avec l'hélico. Ouais, coup dur. Une arme à choper. Une petite décoration de la Santa Blanca. Les sicarios vont l'avoir mauvaise. Ouais, ça chope pas du tout pour nous deux. Il y a des trucs ça chope pour nous deux et des trucs non. Faut qu'on aille en bas là apparemment. Accéder au point de rendez-vous. 300 mètres. Bon, on va y aller en... Ouais. Tu veux conduire? Vas-y. Chiant. Ouais. Il me dit quelque chose ce 4x4. Je crois qu'il finit facilement sur le toit. Tu crois? Oh. Je pense que c'est le pilote. Ah. Ok donc. Ouais t'es censé y aller à pied quoi. Clairement. T'imagines là, là on explose là. Le caca de mec il est nickel, les roues sont pas crevées, les suspensions sont nickel. Baisse ton arme toi, baisse ton arme tout de suite. Ouais. Le point c'est pas mal. Il joue la PSP. Il joue la PSP ce bâtard. C'est celui qu'on allait aider. J'espère que c'est le capitaine de mec et... C'est ça. C'est pour lui. Il y aurait moyen d'arrêter avec ce nom de code. Permettez-moi de vous présenter John Kozak. Il fait beau là, son recrue les plus prometteuses. Kozak. Vous me connaissez? Ouais, quelques rumeurs par-ci par-là. Rien de méchant. Heureusement que votre équipe était déjà... C'est pas le mec de Splinter Cell ou je sais pas quoi. Les États-Unis d'être impliqués. Je sais pas. La situation risque de se tendre un peu du côté de Washington. J'avais joué à Splinter Cell mec sur les Xbox. Il y a une lutte de pouvoir au sein du gouvernement russe et à l'UNIDAD. Personne sait avec qui il collabore, tout ce qui compte. Attendez. Ta gueule. Combien? Beaucoup. Merde. 3 millions pour le dénoncer, ouais, pas de soucis. Quoi exactement? Le colis que vous avez livré, il en manque une partie. Hein? Dis-moi combien. Oh, négligeable. Tu casses les couilles. Mettre la main dessus. Immédiatement. Ça me fait mal de le dire, mais si le temps presse, on a intérêt à mettre Bowman sur mec, le coup. Mon mec parle avec un cigare dans la bouche qui fume tout le temps, continuellement. Ouais. Bon, j'ai un cache-bouche. Mon mec, Bowman, il a toujours genre le cigare. Il a toujours une petite fumée qui émane. D'uranium à destination de la Russie.
mais il en manque. Il est en train de mordre dans le cigare. Attends, c'est la première fois que j'en entends parler. D'où est-ce qu'elle sort cette mission? C'est une opération interne au Ghost. La famille d'abord, j'ai compris. Ça me fait penser, j'ai entendu parler d'une cargaison que la Santa Blanca transfère dans une gare de fret d'une Cacalmina. C'est sûrement ce qui t'intéresse. Dégueulasse la main. T'as regardé la carte, mec. Pixelisé quoi. Pixel le truc. Retourne à la base de l'Unidad et essaie de trouver où cette carte. Le mec il monte beaucoup sur la map, tu sais. Nomad, emmène ton équipe à une Cacalmina et creuse cette piste. Regarde la map, regarde la map. Ça me va. Par contre, ta PSP elle est plus claire que la map. Hey, le mieux fait que... C'est pas un jeu, Kozak. Essaye de pas tout faire foirer, t'as compris? On se voit à l'arrivée. Rigole encore comme ça, fils de pute, et je t'éclate. J'étais aussi bête que ça à son âge. Franchement, ça m'étonnerait. C'est le meilleur technicien que j'ai jamais vu. Un vrai magicien. Skelltek a bien failli nous griller la politesse, mais heureusement pour nous, il voulait bosser sur le terrain. C'est l'une des plus jeunes recrues à avoir rejoint les Ghosts. D'habitude, on les prend un peu moins verts. Je ne remets pas en cause votre jugement. Je le fais assez pour nous deux. Ce gamin a peut-être encore du lait qui lui coule du nez, mais je le dis, nous, c'est le passé. Lui, c'est l'avenir. S'il vit assez longtemps pour voir ça. Parce que je vais lui mettre une balle dans la tête, c'est quand il va me parler. Je suis vieux, crouton, encore fini, mec. On a un parachute futur soldier. Oh, j'ai plein de nouveaux trucs.